DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais à travers la personne, à l'obi, botera binonyonso. Premier point, je le verrai qui m'a cambouetali, ma viol y'a ma mine. N'a pas si y'a pas tout. Bossa de la yangote. Bola andali soussou, ma jeune fille te. Bako sayote na kisi kekende kozua kamwa mwana ya 8 ans okokota prison à vie carrière na yo kosila okobebi salibota na yo soto koti prison moye ozonga na gere zate na novela ki yango est-ce que toyo kani Tolanda kabasi ya badite, est-ce que toyo kani? To viole ba minere pete, est-ce que toyo kani? Yami bale, respect ya ba bien matériel. Oyo ba pesi biso na ba unité et pa ya mokonzi ya mboka. To bebisa yango te, to teka yango te. Tu as utilisé un mot abusivement. Mais par contre, tu as gardé un mot bien. Tu as gardé un mot bien. Tu as gardé un mot bien. Commandant. Est-ce que tu as connu? Oui. Si tu as un mot bien, c'est interdit. Strictement interdit. Troisième point. Dans l'obéli, tolérance, zéro. Koyiba mbongo ya soldate. Kokata mbongo ya soldate. Kosala makambo ya mabete. Parce que na centre supérieur, kombo na ye, mokonzi ya mboka, le commandant suprême, président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui. Maman na biso, c'est la patrie. C'est la République démocratique du Congo. Bisogno sa mapinga toza soule et drapeau. Boma kona biso yango wana. Tolongola na mituna biso. Oyo aza na couleur ya boye. Oyo aza boye. Oyo aza munene. Oyo aza muke. Oyo aza mulayi. Oyo aza mo. Hey! Toza bana se ya papa mo. Moko. Pe mama mo. Moko! Top! Toko tisabino komo susu na mitu na bisote. Maintenant, je vous bénis. Vous allez béni au nom de Jésus. Ma bote na bino est progressé au nom de Jésus. Bino konyoso ya mabe et kende mosika na bandako na bino. Vous évoluez na esengo na ba yinite na bino. Maladie à ma bé, écoute la binoté. Banana bino, bakoufa na maladie à pamba pamba te. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh,
êtes là aujourd'hui et nous vous disons ce que nous faisons. Comment nous le faisons? La Constitution nous donne des missions. Cette loi-là, il est dit que les forces armées ont pour mission de protéger l'indépendance, l'intégrité territoriale, de protéger les gens et leurs biens et de défendre l'indépendance. Pendant trois jours, soit de mardi 17 au vendredi 20 mai 2022, la base aérienne d'Ondolo est ouverte à la population congolaise pour la visite guidée à travers une exposition de stands. Le chef de la maison militaire du président de la République, le général-major Boamunda Tumba Frank, a présidé ce jeudi 19 mai 2022 la cérémonie d'inauguration du centre médical militaire des météos situé dans la commune d'Engaliema. Plusieurs officiers militaires et de la police nationale, les représentants du bourgmestre de la commune d'Engaliema, le personnel soignant de cet établissement destiné à procurer les soins médicaux au personnel de la maison militaire, du chef de l'État ainsi qu'à tous les militaires FARDC et autres invités ont rehaussé de leur présence la dite cérémonie. Dans son mode circonstance, le docteur Milière Matunga, médecin-chef de ce centre, a de prime abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État qui, dans sa vision d'améliorer les conditions de vie des militaires et leurs dépendants, a impulsé et accompagné les travaux de réhabilitation de ces centres. Ses remerciements s'en vont également au général-major Boamunda Tumba Frank, qui s'est investi personnellement pour la réalisation totale et effective de cet établissement. Ma pensée va droit à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a impulsé et accompagné les travaux de réhabilitation de ce centre. Je lui en rends mes hommages les plus déférents. Sans conteste, cette journée restera mémorable dans les annales de ce centre et de la maison militaire du président de la République. Juste après, s'en est suivi la coupure du ruban symbolique et la remise des clés de ces centres. Au médecin directeur par les chefs de la maison militaire du chef de l'État, le général Tumba a profité de l'occasion pour visiter les différentes installations de cet établissement. À la fin de cette cérémonie, il s'est confié à notre micro. La vision du commandant suprême, lors de son accession au pouvoir, il a promis aux militaires qu'il va s'occuper d'eux et de leur famille. Et que les soins médicaux ne seront plus un problème de tracasserie pour les militaires, mais plutôt un droit de bénéficier des meilleurs soins, je le dis. Et tout est gratuit pour eux.